Thank you.
la louons aussi et osons croire, notre Dieu. Nous élevons nos voix, Seigneur, en signe de reconnaissance de ce que toi tu as fait pour nous. Merci, notre Père, parce que ce matin, notre Dieu, personne ne peut penser, Seigneur, que nous serions parmi les vivants aujourd'hui. Nous accordons la grâce, mon Dieu, d'être parmi les vivants, Seigneur. Les vivants se sont ceux-là qui nous. Nous te louons, notre Père, pour tes bienfaits, pour ta présence, pour ton Saint-Esprit, pour tes bénédictions. Merci pour tout ce que tu veux pour nous. La louange, c'est aux endroits, et la louange, plus de chèques, notre Seigneur. Merci parce que tu nous as libérés. Merci parce que tu nous as visités. Merci parce que tu as reçu. En toi, nous sommes libres, libres de t'adorer. Avec des cœurs ouverts, mon Dieu, pour que toi, notre Père, tu puisses nous visiter et nous parler. Seigneur, nos cœurs sont ouverts à toi. Nous nous disposons à toi, Père. Viens prendre le contrôle de nos âmes. Viens prendre le contrôle de nos cœurs. Tout ce que nous sommes, Seigneur, tu veux que nous sommes aimés de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force, de tout notre être, Seigneur. Tout en nous, mon Sauveur, doit être en place dans le temps. Seigneur, que ce qui n'est pas de toi, soit aussi le Seigneur, mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé pour tout, Seigneur. Tu nous as lavé, tu nous as purifié. Seigneur, nous t'adorons. Merci pour Golgotha. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Ton sang a coulé pour nous laver. Ton sang a coulé pour nous justifier. Ton sang a coulé pour nous donner la vie. Ton sang a coulé, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous élevons nos voix en signe de reconnaissance pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous. À la croix de Golgotha, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour cet appel, Seigneur. Ton sang a coulé. Ton sang a coulé. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Merci Seigneur Jésus. Je te louerai, je te passerai, Seigneur. Mon âme te loue, mon cœur t'adore. Tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Oh mon âme te bénit. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, mon âme t'adore. Seigneur, Dieu est ton pain en toi. Seigneur, que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Seigneur, que nous sommes approchés de toi. Avec le cœur de sincérité. Ouvre-nous, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Alléluia.
sur la terre. Ce matin, tu as rassemblé ton peuple, tu as permis que je puisse aussi me tenir devant toi. Tu as dit heureux l'homme, puis tu as mis dans ta présence. Merci pour ton amour, merci pour ton amour. Merci pour ce matin, pour ce matin, pour ce matin, pour pouvoir communier en ta présence, pour ce que tu puisses encore descendre au lieu de nous, mon Dieu puissant, et régner dans nos cœurs et glorifier ton nom, Seigneur. Non pas à cause de nous, ô éternel, la personne n'est digne, mon Dieu puissant, mais toi seul qui es digne, tout Seigneur. Glorifie ton nom, mon Dieu de nous, Seigneur. À cause de ton nom, Seigneur, agis encore ce matin. Je te prie, mon Sauveur, pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui est fidèle et véritable. C'est une joie encore pour moi de pouvoir venir aussi communier avec vous dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur bénit d'éternité en éternité. Amen. Il est vraiment le Dieu. Alléluia. Amen. Il est vraiment le témoin fidèle. Et il a fait de nous aussi des témoignages. Alléluia. Amen. Bref, allez, je ne vais pas vous présenter des vœux pour 2016. Mm. Parce que moi, je ne compte plus les années. Mm. Et que la bénédiction du Seigneur. Amen. 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 Je ne sais pas si on finira l'année. Mm. Alléluia. Amen. 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 Mais il est bientôt. Alléluia. Amen. Bientôt de retour. Mm. Amen. Amen. Tous les signes qui sont autour de nous nous le montrent. Mm. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous salue, frères et sœurs. Simplement par ces paroles, le Seigneur m'a accordé. Alors disposons véritablement à nos cœurs. Simplement ici, dans 2 Corinthiens, au chapitre 7, Corinthiens chapitre 7, verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne et nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est point pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans vos cœurs. À la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous et j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Et je suis rempli de consolation et je suis comblé de joie au milieu de toutes les épreuves. De Corinthiens, chapitre 10. Au verset 7. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne et vous fortifie. C'est vrai, il y a longtemps qu'on ne sait pas. Ne laissez jamais l'adversaire venir trotter dans vos têtes. Si vous voulez savoir, il y a un Père, il est vivant. Il vous dira ce qu'il fait aussi de l'autre côté. Amen. Amen. Que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce. Amen. Nous, c'est vraiment un privilège, c'est qu'on peut se connecter ici. Amen. Amen. Physiquement ou matériellement, il n'y a pas vraiment de moyen de se connecter avec ce que le Seigneur fait là-bas. Mais spirituellement, si vous êtes connecté, il vous parle. Amen. Alléluia. Comme Daniel le disait, il y a un Dieu dans le ciel. Alléluia. Qui révèle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen. Je suis vraiment content de pouvoir venir aussi dans, dans cette contrainte de Belgique avec mon épouse. C'est vrai que l'adversaire, avant de partir, il a encore tapé des pieds pour essayer d'user des ruses pour éviter qu'on puisse voyager. Mais nous devions voyager et nous avons vu les uns et les autres aussi pour témoigner de ce que Dieu a fait. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Vraiment que le Seigneur soit béni d'éternité en éternité. Amen. J'ai reçu simplement un petit témoignage à ce sujet. Vers le 23 décembre, je suis allé voir mon médecin. Parce que 2 mois auparavant, il avait une douleur. Chaque fois que je me mettais pour prier, il y avait une douleur. Et je ne comprenais pas. Donc je me posais sur le Seigneur, mais
Et puis vers la fin décembre, il s'est produit une chose, il y a eu ici comme une hernie qui s'est produite. Un du lion, mais très très douloureux. Alors, je dis, il y a quelque chose qui me croit. Je suis allé voir mon médecin et lui-même, il m'a dit, mais c'est une hernie, si on n'agit pas tout de suite, ça peut étrangler l'intestin. Et là, il faut couper l'intestin. Je suis parti, j'ai dit, bon, on se reverra. Il n'était pas content. Mais il m'a prescrit quand même une ordonnance pour aller voir un spécialiste. Alors, mon épouse m'a un peu excité à aussi appeler le spécialiste. J'ai appelé le spécialiste et quand le spécialiste donne le rendez-vous, moi c'était pour le 18 janvier. Il dit, heureusement que c'est une urgence, tu as vraiment le temps de mourir. Alors, j'ai mis les genoux au sol, j'ai dit maintenant, c'est à toi. Alléluia. Fais ça. J'ai dit maintenant, c'est à toi. Ce que l'homme ne peut faire. Qui va m'interdire de prier? Tu sais que j'ai besoin. Alléluia. Réponds-moi. Alléluia. Mon épouse est là à peu près. Trois jours après, il n'y avait plus de bulles ici. Amen. Nous sommes allés quand même le 18 janvier voir le spécialiste. Feu des sermons. Le monde est vraiment un monde. Il est venu, il a ausculté, il regarde, il tâte, ici, tousser, il touche aussi les vessies, il dit tousser, il dit bon, c'est banal, on va opérer quand même. Je suis sorti de là, moi. Ils nous ont fait le dossier, pour qu'on aille voir l'anesthésiste. Et puis, mon épouse a dit on va voir l'anesthésiste, et j'ai dit laisse-le. Moi, il ne m'a pas convaincu. J'ai relu le dossier, mon épouse a fait bien. J'ai relu le dossier, j'ai relu. Il ne m'a pas convaincu. J'ai dit où est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Mon épouse dit oui, c'est vrai, il n'a même pas fait d'examen, il dit oublions ça. Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Amen. L'adversaire, il est rusé. Amen. 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 Si nous nous confions en lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous invite à vous tenir debout pour lire le psaume 139. Amen. Alléluia. Ce psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, et tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est point encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour moi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, et que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, tu peux faire mourir le méchant. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis, Éternel, n'aurais-je point de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu,
et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon Dieu est si bon. Il est si bon. Mon Dieu est si bon. Il est si bon. Seigneur, que ce que toi tu es, Seigneur, que ce que toi tu es, Seigneur.
foi qui a fait mon bénémoine, Père Saint. Nous rendons gloire à ton Seigneur. Bénis-moi mon précieux frère Pascal et sa famille, bénémoine, Père. Nous t'en sommes reconnaissants pour ton avoir amené parmi nous, Père. Louange et honneur à toi, toi qui l'aimes faire le dégât, Seigneur. Toi qui bénis, qui fortifie, mon Père, qui soutient aussi, Père. Oh, nous sommes réellement consolés, Seigneur, de voir réellement ta main à toi qui agissant, ton bénémoine, Père. Et tu agis, Père, de par le monde encore aujourd'hui, Seigneur. Qui manifeste encore ta grâce encore parmi ton peuple, mon roi. À ceux-là qui t'aiment vraiment de tout leur cœur, tu montres vraiment aussi que tu n'as pas changé. Béni sois-tu encore pour ton peuple. Merci encore pour les cantiques qui sont montés devant ton trône et grâce, mon roi. Merci encore pour les psaumes, l'adoration, Père Saint. Nous nous réjouissons de ta présence, mon béni, mais pas puissant. Et j'en avec nous encore cet instant, car nous avons aussi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le nom du Seigneur, je vous bénis. Vous pouvez. Nous remercions notre Dieu de ce qui nous a mené ici ce temps. Nous pouvons nous retrouver dans sa maison et aussi la joie de l'allégresse de pouvoir aussi revoir notre précieux frère ainsi que notre bien-aimé soeur et d'entendre aussi les témoignages de ce que le Seigneur notre Dieu a fait et qu'il a fait aussi de merveille aussi là-bas de l'autre côté. Que le Seigneur bénisse mon précieux frère Pascal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y a aussi de nouveau, je pense, c'est notre bien-aimé frère. Il est pasteur à l'assemblée là-bas à. C'est lui d'abord, en fait. Il a changé de ville, mais je crois qu'il a toujours désiré qu'on nous appelions toujours lui d'abord. Et c'est là où nos frères et sœurs se rassemblent. Frère Pascal était un précieux frère. Il a toujours été aussi là pour. Dans les situations aussi difficiles où on est passé, il a toujours été là. Nous remercions Dieu de la grâce qu'il nous a accordée pour pouvoir la voir. Et surtout aussi de notre sœur, son épouse qui est aussi ici. Que le Seigneur soit béni, Amen. Parce que nous avons vraiment prié aussi ensemble avec celui d'Avo ici pour que le Seigneur la rétablisse. Et la voilà aujourd'hui aussi en bonne santé. Nous sommes heureux de pouvoir entendre ce que le Seigneur fait par nous formant tous en peuple. Avec autant de joie et d'amour. Quand Dieu unit, il unit. Et il nous a accordé cette grâce de pouvoir être dans l'unité et de marcher ensemble et de les servir de tout notre cœur. Nous nous réjouissons vraiment de ce que cela. Le Seigneur a accordé la grâce de pouvoir faire la route et venir encore jusqu'ici, que Dieu vous bénisse les chemins. Nous sommes heureux parce que quand nous pouvons entendre qu'un frère ou une sœur, et c'est comme ce matin pendant que je venais, et j'ai tourné la voiture, je suis venu un peu tôt parce qu'il y avait le problème, comme on disait, pour les embouteillages, évidemment. Et voilà que je tourne la voiture, là, qu'est-ce que je vois de ce côté-là, très tôt matin, notre sœur Christiane. Et je disais dans mon voiture, j'ai dit, mon sauveur, elle vient de loin, je crois qu'elle a pris les trains, elle habite d'abord dans une contrée, il faut qu'elle soit menée à la gare, et puis prendre un bus jusqu'à la gare, et la gare prendre les trains jusqu'ici, et de la gare ici prendre aussi un tram pour arriver ici à l'heure et à temps. C'est très touchant. Amen. Et quand vous pouvez penser aussi, ils ont pris le chemin depuis d'abord sur 8 heures de voiture. Et tout ça simplement parce qu'ils veulent nous voir aussi. Avoir commune, c'est l'amour que Dieu. Amen. Que Dieu le bénisse réchaud. Tous ceux qui sont venus aussi de loin comme de près, nous remercions notre Dieu de cette grâce qu'il nous a accordée de pouvoir. Vraiment, c'est, le cœur est très touché. Parfois, c'est vrai, et parfois vous pleurez du Seigneur, ces hommes et ces femmes qui sont loin, ils ont besoin de toi. Amen. Que tu fasses quelque chose pour chacun d'eux, pour qu'un jour ils puissent vraiment te voir. Parce que tout ce que nous faisons, le Seigneur, notre Dieu, l'écrit aussi dans son livre, Souvenir, qui se souvient effectivement des sacrifices, des larmes et des prières, et aussi le nom de cœur que nous avons eu à pouvoir réellement avoir à son endroit pour vraiment les louer, les glorifier aussi. Nous avons sujet de voir le remercier pour la guérison de notre bien-aimé frère Pascal, et aussi de notre sœur, les prénoms, c'est difficile. Comment elle s'appelle? Notre sœur Rédentin, qui Dieu soit béni. Et aussi notre sœur, la maman de notre frère notre frère Yves. Et parce que le frère Yves est le frère de la sœur Francine, l'épouse de notre bien-aimé frère Daniel. Et alors, elle est vraiment, c'est extraordinaire. Elle est sortie complètement du coma. Elle le voit bien, elle le reconnaît, elle pleurait. Donc on était là, elle pensait avoir pleuré, elle m'a reconnu. Et elle était très heureuse. Et puis tous les enfants,
Et aussi, nous avons été pour la maman de notre bien-aimée sœur Léa, qui était voir à l'hôpital, et je crois que ça va quand même. Donc, elle mange le matin. Et, donc, elle n'arrivait pas, elle était toujours endormie avec le médicament qu'on a pu trouver, effectivement. Enfin, ouais, mais je pense que le samedi, ben, j'étais là vendredi, c'est samedi, je pense. C'est samedi où j'étais. Hein. Vendredi. Puis le lendemain, samedi, ça s'est bien passé. Hein. Je crois que la maman se porte bien. C'est vrai? Nous remercions notre Dieu. Amen. Nous sommes heureux de ce que notre Seigneur. Et puis, notre frère Koulibaly m'a aussi appelé avec son sac qui était perdu. Le Seigneur a accordé la grâce de localiser le voleur. C'est un miracle. Amen. Dieu est vraiment bon. Amen. Et nous prions notre Dieu pour notre sœur Brunette. Que Dieu accorde la grâce. Il est fait. Amen. Et nous avons confiance, effectivement, que le Seigneur accorde cette grâce pour nous. Nous le remercions, comme il disait aussi l'autre fois, je pense que c'était mardi ou mercredi, jeudi, je pense, il disait, c'est quand même extraordinaire de voir la manière dont le Seigneur, notre Dieu, agit, et surtout aussi, comme je le disais, la congrégation que nous voyons, elle est celle-ci. Et quand je disais que j'étais moi-même surpris, quand j'ai vu le nombre de pays qui se connectent, effectivement, pour pouvoir, j'étais tellement touché, étonné. J'ai demandé à mon frère Emmanuel de pouvoir me faire cela, mais j'ai ici une liste que je veux juste simplement les pays, parce que quand je vous disais que ce sont des pays que je n'ai jamais entendus, vous devez peut-être le frère qui raconte des histoires. Mais non, les statistiques montrent effectivement, je vais vous lire quand même quelques pays ici dans le papier qui m'a été donné. J'étais moi-même très étonné. Alors, nous avons, je vais lire des pays par... Et c'est vrai, ces pays sont là. Nous avons d'abord, je crois, on commence par l'être alphabétique, ABC. Non, je crois que j'en ai ici un peu un mélange. Il y a donc la Belgique, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Réunion, il y a le Burkina Faso, il y a l'Espagne, il y a le Royaume-Uni, le Cameroun, le Sénégal, la Mauritanie. J'étais vraiment étonné. Pays-Bas, la Guadeloupe, Martinique, l'Argentine, Haïti, Rwanda, avec les frères qui sont là-bas, Rwanda, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa aussi, oui, beaucoup, Gabon, Brésil, la Suisse, le Maroc, l'Allemagne, et puis encore ici, je vois ici encore, oui. Bon, Saint-Martin, vous connaissez Saint-Martin? Voilà que je dis Saint-Martin, et Saint-Martin aussi, Saint-Martin, République Dominicaine, ça oui, on a entendu parler, la Zambie, l'Afrique du Sud, Thaïlande, la Russie, Norvège, l'Inde, Nouvelle-Calédonie. Alors il y a un pays que je voulais savoir si vous le connaissiez aussi. Les îles turques et caïques. Vous les connaissez, vous? Non, mais les îles turques et caïques aussi. Mayotte, Angola, Togo, Italie, Émirats arabes unis, Maurice, Guyane française, la Roumanie aussi, oui. La Roumanie, oui. Algérie, la Namibie, Bolivie, l'Ukraine, la Guinée. Alors, je ne sais pas si c'est Guinée qu'on a écrit ou Guinée, je ne sais pas, ou Bissau, je ne sais pas, je ne sais pas, ça m'a dit Guinée, puis le nombre, c'est... Puis le Liban aussi, le Pérou, là, c'est notre sœur, Pérou, et puis Zimbabwe, Dominique, c'est un pays. Non, là, j'ai vu la République dominicaine ici, quelque part, avant ici. Non, il y a la République dominicaine ici, et puis je vois Dominique, comme Dominique le prénom. Un pays qui s'appelle Dominique. Bulgarie, Madagascar, Tunisie, Bénin, Chili, et puis on nous ajoute ici, région inconnue. C'est quand même... Et oui, là, je vois, ils vont sortir, ils sont... région inconnue, là, dit Bahamas, Danemark, Nouvelle-Zélande, Niger, Portugal... Ah oui, Portugal, parce que ça a été au Portugal... Là, je crois que c'est, oui, c'est ça, je suis tout donné, je crois que c'est pratique. C'est pour dire combien le Seigneur, notre Dieu, accorde la grâce, que nous puissions réaliser que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un grand nombre, effectivement, de beaucoup de gens qui ont été touchés aussi, et qui arrivent à pouvoir aussi, l'occasion de pouvoir aussi s'éclater. Et nous prions que le Seigneur vraiment nous aide et qu'il nous accorde cette grâce de pouvoir davantage donner à lui et que nous puissions être aussi conscients, chacun de nous tous, effectivement, de la
responsabilité que Dieu nous donne. Nous allons nous lever pour prendre une portion de l'Écriture dans le livre de Timothée. C'est dans 1 Timothée, je pense que c'est cela. Premier épître de Paul Timothée, au chapitre 2. Lisons à partir du verset 1. J'exhorte donc avant toute chose, 1 Timothée 2, verset 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même à rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Nous voulons te dire encore merci ce matin, notre Père, témoigner encore de l'amour, ce que toi tu es, et ce que toi tu fais, ce que tu as fait pour nos pères. Que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit béni encore. Monsieur encore nous accorder la grâce d'entendre ta voix encore aujourd'hui, mon Père. Que tu puisses encore toucher nos cœurs, nous ramener davantage à toi, être conscient de ce que tu attends de nous. Je te loue, je te glorifie, Père. Bénis ces instants, car nous avons ainsi prié, Père, et ta parole à toi, nous la voulons encore aujourd'hui. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur de tout notre cœur pour ce que nous avons pu trouver grâce à ses yeux. Je pense que c'était mardi de voir cette main puissante de notre Dieu d'une manière tout à fait particulière. Il est vraiment descendu et ça, c'était vraiment aussi puissant de telle sorte que le cœur et l'âme et même effectivement les uns les autres ont été remplis et ramenés effectivement à prendre conscience de ce qu'ils ont aussi et ce que le Seigneur est, à tel point que j'ai reçu l'email de ma sœur Carole, que Dieu bénisse richement cette sœur. C'est vraiment une sœur particulière. Et il nous a envoyé une requête dont nous allons prier quand même de tout notre cœur parce qu'elle m'écrivait avec des larmes, effectivement, lorsque elle rédigeait effectivement son email. Et elle le veut tout simplement que de tout son cœur et son âme, la voir le Seigneur Jésus-Christ comme son propre trésor et que réellement qu'il soit l'unique et le seul dans son âme et dans sa vie. C'est une grâce de pouvoir réaliser qu'à un certain moment, nous n'étions pas tellement comme cela se devait et que nous avons besoin d'être ramenés dans une position telle que nous considérions que Dieu est toujours le seul, l'unique, le premier dans tout ce que nous sommes appelés à pouvoir être. Et si vous remarquez dans les Saintes Écritures, et cet homme ici, et je crois que c'est Philippe que je répète toujours, il dit, mais quand il a rencontré Nathanaël, il a dit, nous avons trouvé. Quelle expression! Parce que dans tout Israël, ils cherchaient encore, mais nous avons trouvé. Alors si nous avons trouvé ce qui est tellement si important pour nous, effectivement, que pour lesquels nous vivions, alors nous nous sommes accrochés. Et c'est comme cela que même dans Parabole, le Seigneur disait que celui qui a trouvé un champ dans lequel il y avait un trésor dans ce champ, qu'est-ce qu'il fait effectivement? Mais il rentre, il vend tout ce qu'il possède. Et il revient pour pouvoir prendre et acheter effectivement ce champ en question. C'est important pour nous de pouvoir réellement voir, réaliser au jour le jour, en fait, qu'est-ce qui est tellement si important pour nous, les hommes, effectivement, en tant qu'homme, en tant que frère, en tant que soeur, qu'est-ce qui est vraiment tellement si important pour moi aujourd'hui sur la terre. Comme nous l'avons entendu aussi, je dis, il ne faut pas que on puisse être hypocrite, c'est tromper soi-même, mais on doit être conscient. Qu'est-ce que moi je considérais comme étant tellement si important et qu'aujourd'hui encore, ça devient tellement si important pour moi dans ma propre vie.
C'est vrai, le cœur et l'âme étaient vraiment aussi touchés, de bien secouer aussi, de voir qu'en certains moments, nous avons eu à pouvoir ne pas positionner les choses de Dieu comme le Seigneur l'a dit. On ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit on va aimer l'un et on haïra l'autre. Mais il faut que réellement, qu'à un certain moment, on fasse un choix. Et ce choix, quand on le fait, de tout cœur, nous rappelons d'arrêter. Le choix, quand on le fait, de tout cœur, il faut être conscient qu'on ne m'a pas obligé de pouvoir le faire. Si aujourd'hui, j'ai choisi le Seigneur Jésus-Christ comme le mien, on ne m'a pas forcé. C'est-à-dire que je regardais effectivement à gauche et à droite et j'ai vraiment sondé partout pour trouver s'il y avait quelqu'un de meilleur qui pouvait me donner ces dons sur lesquels j'aurais vraiment besoin chaque fois que j'avais besoin. S'il y en avait simplement un, je cherchais. Quoi que chacun de vous a pu avoir peut-être ce moment-là, parce que vous n'avez pas accepté le Seigneur parce que, bon, par plaisir, je viens. Non, il y a un moment où vous êtes rendu compte que non, en tout cas, je regardais parce que vous regardez très bien. Pour arriver à pouvoir lui donner effectivement cette gloire et ce titre aussi, effectivement, de pouvoir être ce qu'il est, en réalité, la Bible nous a rendu témoignage qu'on a cherché dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, partout, effectivement, s'il y avait quelqu'un qui était digne de pouvoir se lever, parce que c'était le livre de notre rédemption. Qu'il soit un véritable parc, qui dit, mais je suis, moi, le parent rédempteur sur qui tous peuvent se reposer. On a cherché en haut. On a donné le temps, en fait, pour qu'on trouve. Donc, c'est-à-dire que chacun aussi, pour être conscient de l'importance, effectivement, de ces Jésus. Pourquoi? Parce que sur cette terre, effectivement, mon frère et ma soeur, il y a beaucoup de religions. Il y en a ceux qu'on a pris, ils disent, moi je suis athée, je suis à cela, ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Vous allez trouver des mahométans, des mahomets, vous allez trouver des bouddhistes, effectivement, aussi. Et des spirites aussi, des gens qui invoquent des démons, des spiritistes, des observateurs du spiritisme, effectivement, et tant d'autres, effectivement. Alors, si aujourd'hui, moi, je suis arrivé à pouvoir croire et recevoir ce Jésus, c'est parce que j'ai aussi comparé quelque part. Je suis allé chez les bouddhistes. Oui, monsieur. Bouddha, vous connaissez effectivement ce qu'il en est. C'était un monsieur qui était là. D'abord, il était d'une. Il avait en fait un certain niveau enfermé dans un endroit, dans un enclos, il faisait des racimaux. Il se considérait un peu comme un notable, vraiment comme ça. Et puis bon, il était aussi ennuyé d'être seulement dans les quatre murs. Et puis à ce moment, bon, il est sorti, il a enjambé ça. Le mur, effectivement, pour se retrouver de l'autre côté, pour aller même voir un peu comment les gens de sa ville, son pays vivaient. Puis, finalement, il est allé dans la forêt, il cherchait des réponses, et puis, c'est comme ça qu'il est allé dans la contemplation, il a commencé à contempler les étoiles, effectivement, et c'est comme ça qu'il est venu, effectivement, le temps de. Pourquoi? Parce qu'il cherchait une paix intérieure, il voulait avoir la paix, il voulait être bien. Bon. Bref. C'est comme ça que la philosophie du bouddhisme est sortie, effectivement. En fait, c'est une sorte de contemplation. Tout ça, vous le voyez, ils sont comme ça, les bouddhistes. Ils contemplent quoi? Les néons. Ils contemplent quoi? Les étoiles. Ils contemplent quoi? L'imagination. Pour se faire quoi? Oh, quand je fais comme ça, je deviens zen. Vous connaissez, non? Et puis zen, ça veut dire que j'ai la paix intérieure. Vous connaissez cela, non? Donc, on a fait tous ces essais-là, et puis après. Si vous allez chez le Mahométans, vous connaissez effectivement, on compare aux déviants, ainsi de suite. Mais quand on est arrivé à pouvoir entendre un jour parler de ce Jésus, amen. Il y a quelque chose qui s'est passé en toi quand tu as comparé Mahomet, tu as comparé Bouddha, effectivement, et tu as comparé tout, parce que si vous allez encore en Inde, effectivement, ils adorent les serpents, ils adorent les rats, il y en a tout, donc ils adorent même, ils adorent les vaches, et tout. Donc toutes ces choses-là, quand nous pouvons comparer, et même quand on nous dira, même en disant que
Oui, Bouddha, il a vécu. Oui, Mahomet, il a vécu. Oui, ceci, il a vécu. Puis quand on regarde en disant comment Bouddha était, comment Mahomet était, nous revenons dans un truc. Comment était effectivement tout ça, on doit arriver jusqu'à la fin. Quand on arrive à la fin de leur livre, effectivement, un Bouddha mourut. Et il fut enterré jusqu'aujourd'hui. Et quand on va aussi dans les Corans, on voit, et Mahomet mourut, et il fut enterré jusqu'aujourd'hui. Alléluia! Amen. Et lorsqu'on prend la Bible, mon frère, l'Alpha et l'Oméga, il est venu, il a vécu, il a guéri, il est mort, il est ressuscité. Alléluia! Jésus à moi, il fait l'histoire jusqu'aujourd'hui. Amen. Il est incomparable. Amen. Alléluia! Gloire à son Seigneur. Alléluia. Oh oui, frère. La nature, l'histoire et tout nous témoignent que c'est Jésus. Amen. Il est particulier. Amen. Alléluia. Amen. Même quand il ne dit rien du tout. Oh, que son nom soit béni. Il s'est tenu devant Pilate. Amen. Il disait rien du tout. Nous l'accusait, il a fait. Il n'a rien dit. La tête comme ça, il ne disait absolument rien. Pilate regarde, oh là là, son âme tourmentée. Alléluia, amen. Qu'est-ce que cet homme a fait? Puisque là où moi je suis, depuis qu'il est rentré, l'atmosphère a changé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et alors quand tu l'ouvres la bouche, alléluia, il n'est jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour faire la lutte. Pour filer, loin de ta face. Pour y rester, loin de ton esprit. Si je monte au ciel. Oh oui. Amen. Même les ténèbres. Alléluia. Dans les remplis des cieux, de l'espace, nous faisons ça. Il n'y a aucun être. Amen. Il est le seul. Amen. Et pourquoi nous avons trouver le véritable trésor, amen, plus que le trésor. Alléluia. Pour lui, nous avons tout abandonné. Amen. Pourquoi les disciples ont dit, mais où, maître ami, nous ici, nous avons tout quitté pour te suivre. Chacun de nous doit être conscient, réaliser que même la nature nous montre que en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Amen. C'est la vérité. C'est vrai. Parce que la vie, c'est lui. Amen. Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Pour avoir la vie, il faut le posséder. Amen. Et quand vous ne l'avez pas, vous avez certainement la mort. C'est pourquoi nous devons être conscients de ce que c'est Jésus-Christ, le Seigneur, est de ce qu'il est capable de faire. Comme nous l'avons entendu de notre précieux frère, oui. C'est vrai, les médecins ont vu ces derniers. Ils ont vu cette boule, ils ont vu tout ça, effectivement. Mais ils savaient, ils connaissaient Dieu. Oui, ils connaissaient qu'il avait son Dieu. S'il n'avait pas ses dieux, il serait quelqu'un qui est dans la détresse. Mais puisque il connaissait son Dieu, qui a eu la grâce de pouvoir d'abord le goûter, et sentir combien il est tellement si bon, que son Dieu lui a dit que je suis un secours. Il ne manque jamais autant de détresse. Quand la nouvelle est venue, il dit, mais je connais. C'est Dieu qui relève les défis. Et nous l'avons dit, il dit, mais je suis tombé à genoux, pas les ballons. Il dit, mais Seigneur, maintenant c'est à toi. Puisque tu l'as dit, tu l'as accompli. Et son Dieu est là. Amen. C'est Jésus de la Bible. Amen. Son Dieu à lui. Amen. Il a entendu. Amen. Et tu es là. Restons. Nous sommes heureux de pouvoir réellement réaliser la grâce que Dieu accorde. C'est pour ça, quand Philippe pouvait rentrer, on a dit, mais nous avons trouvé. Amen. Il était heureux. Amen. Chaque homme ou chaque femme qu'il a vraiment rencontré et trouvé, amen, il rend témoignage de lui avec autant d'allégresse. Amen.
Autant de religion, parce que cet homme ou cette femme est vraiment, il a trouvé le bonheur. Amen. Parce qu'en dehors du Seigneur Jésus, alléluia, il n'y a pas de bonheur. Amen. L'argent ne t'apportera jamais le bonheur. Amen. Tu peux avoir toutes les maisons de ces royaux qui sont à toi, en ton nom. Tu ne seras jamais heureux. Amen. Tout ce qui est sur le compte en matinée, j'ai fait l'argent, on peut me donner même des millions. Tu ne seras jamais heureux. Mais quand tu as Christ, notre Seigneur, oh, tu es vraiment un homme. Ton âme est dans la paix, ton esprit est dans l'allégresse, parce que tu as trouvé le bonheur et la paix. Et tu sais qu'avec lui, tu n'as pas besoin d'avoir un compte en banque garni d'un million. Non, parce que l'or et l'argent lui appartient. Et il te dit, il dit, mais ne t'inquiète de rien. Puisque moi je vis. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prends soin de toi. Amen. Pour la nourriture. C'est pourquoi le chrétien ne peut pas être quelqu'un qui est dans la peur, dans l'inquiétude. C'est quelqu'un d'avoir la paix, la confiance et la foi. Amen. Amen. L'assurance. Amen. Même si, vous l'avez entendu, que Dieu te bénisse richement, mon précieux frère. Quand on lui a annoncé que tu as ceci, là, mais bah, qu'est-ce que je vais devenir, Seigneur, mon Dieu. Non, c'est la paix. Amen. Il dit, mais Seigneur, puisque tu es là, c'est vrai, non? C'est la réaction de chaque enfant de Dieu. Amen. Réellement, comme la Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Amen. Les mauvaises nouvelles vont venir, mais nous avons confiance en ce Dieu. Que amen. Nous ne pouvons pas trembler parce que nous savons qu'aussi longtemps qu'il est vivant et qu'il est avec nous, frères et sœurs, pour nous qui sommes des fils et des filles de Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. Amen. C'est impossible aux hommes. Mais avec notre Dieu, tout est possible. Nous avons confiance, nous voulons garder cette assurance. C'est comme cela que les problèmes, les tensions seront résolus chez nous. Amen. Ah ben bien sûr, parce que le stress et tout ça, ce n'est pas nécessaire. C'est comme nous l'avons dit la fois passée, non. Les dimanches, nous ne voulons plus être stressés. Non, amen. Non, nous ne voulons pas. On doit vite faire pour quelqu'un. Non, 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 non. Nous voulons vraiment être tranquilles. Amen. Donner du temps à Dieu. Amen. Dans la semaine, nous étions pressés, stressés, on a fait ça, on a fait ça. Mais dis-moi, Seigneur, on dit, on veut vraiment être là, dans ta présence. C'est ça la position d'un fils de Dieu. Donner un jour. D'ailleurs, la Bible nous a parlé effectivement que dans l'ancien temps, effectivement, tu pouvais travailler pendant 6 jours. Mais le 7e jour, Dieu voulait quand même un jour de repos. Repose-toi et adore-moi. N'est-ce pas vrai? Et aujourd'hui, nous sommes dimanche. On ne travaille pas. Je crois que dans la loi aujourd'hui, effectivement, on dit dimanche, c'est un jour courir. Malgré qu'il veut changer, mais c'est un jour férié. Donc, un jour où moi, tu dis, Seigneur, j'ai saisi le cadeau, jour férié, selon toi. C'est pas le jour où moi, t'as qu'à dire, ah, il faut que je trouve un job, ce jour-là, un job, dimanche, effectivement, pour combler les trous du fin de moi. Non! Dimanche, je ne bouge pas. Amen. Dimanche, c'est le jour où je dis, mais je vais aller louer mon Dieu. Monsieur, on a 1 million pour toi, dis, hey, pitié de moi, mais aujourd'hui, j'ai plus qu'un million parce que je vais dans sa maison. Amen. Frère, ça, vous pensez, ah, mon frère Pascal, laissez, parce que quand j'avais MCL, le frère Pascal travaillait avec moi. Il se souvient même que je prenais l'avion, j'étais en Espagne, puisque c'est lui qui me remplaçait au bureau, il me téléphonait. Au bureau, le frère, il y a un problème, je viens. Mais un jour, quand on était encore à la porte de la mer, ah oui, tu étais à la porte de la mer, je pense, la porte de la mer, effectivement, regardez bien. J'avais demandé à un frère de pouvoir, ah, j'avais un client. Il m'était appelé, c'était donc en Allemagne. J'ai demandé à un frère, j'ai dit, frère, en tout cas, c'est urgent, je suis attendu là-bas, en Allemagne, pour l'activité que je dois partir, effectivement, mais je pense que si je pars, je vais revenir tard. Mais comme je pars, tu vas quand même m'apporter la parole, je serai là tôt pour conduire le frère. Et je suis parti en Allemagne. Et là, comme c'était loin, la conclusion du document, effectivement, ça a pris du temps. Puis bon, je suis rentré tard. Mais pendant que je rentrais, j'ai dit, ah mon Dieu, je suis sûr que mon frère a eu à pouvoir rassembler les frères et la réunion s'est tenue. J'arrivais en retard, bon, je vais quand même prendre part à la partie qui restera à la fin de la réunion. J'arrive, je stationne la voiture, je rentre dans la salle, je trouve les frères et sœurs étaient assis. Je pleurais. Et les frères en question n'est même pas venu. Donc il c'est pas s'occuper de faire ce qu'il devait faire à gauche et à droite. Et jusqu'à 20h, le seul frère était dans l'assemblée. Je pleurais, j'ai dit, Seigneur Jésus, dès aujourd'hui,
plus jamais. Le jour des réunions, jamais. Même si c'est un contrat d'un million, je n'irai jamais. Depuis ce jour-là, je n'ai plus bougé. Mardi, jeudi, dimanche, j'avais pris la décision, Seigneur, je ne veux nulle part. Je dois travailler, je reste effectivement à cette conférence ici à Bruxelles. Et là, à ce moment-là, après le travail, je vais à la réunion. C'est pour dire que nous avons aussi la possibilité de pouvoir prendre des décisions. Amen. Sans être obligé de pouvoir dire, Seigneur, non, pour toi. J'abandonne. Je ne peux pas, parce que le Seigneur a dit effectivement qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Dieu d'un côté et puis maman de l'autre côté. Il faut que Dieu soit privilégié dans tout ce que nous faisons. Et puis aussi, quand nous savons que nous avons rendez-vous avec un patron quelque part, on fait tout pour arriver même 10 minutes avant ça. Ça doit être la même chose pour la maison du Seigneur. Il faut que chacun de nous prenne conscience que, en tout cas, là, imaginez, là, on vous invite à 10h30, qui ça, au cabinet du ministre, je ne sais pas moi, de finances, enfin, ministre de coopération, avec qui vous voulez signer un contrat. Qui va quitter chez toi à la maison pour y aller ici, au cabinet du ministre, à 11h30. Mais on ne va pas vous recevoir. À 10h déjà, tu es quelque part en train de guetter la porte. 10h15, tu es là. À la réception pour t'annoncer que j'ai rendez-vous à 10h30 avec le ministre. Mais ici, il y a plus que le ministre. C'est le Dieu du ciel pour lequel on doit avoir du respect. La conséquence est, Seigneur, je dois être dans ta maison à telle heure, je pars là-bas. Aujourd'hui, je ne prends rendez-vous avec personne. Parce que tu vas me parler, je ne sais pas combien de temps tu vas me prendre. Vous savez, je crois que c'était dimanche passé. Je prie seulement la parole, j'ai dit bon, on n'est pas assez longtemps. J'ai dit bon, on va rentrer à la maison. Vous savez ce qui s'est passé, non? Je vais m'asseoir là, je n'avais rien pensé, prévu rien. Je disais bon, tout le monde peut rentrer tôt aujourd'hui, je m'assieds là. Et moi j'étais en train de pouvoir prier là, mais je m'étais fermé. Et quand j'ouvre les yeux, alors là, il me dit mais le cas est là. Vous savez ce que je voulais d'abord? Je vais vous dire la vérité. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai dit Seigneur, si quelqu'un s'avance là, tu vois mon état. Je veux m'asseoir et puis je me dis 100% vrai. Il peut se mettre là, je prierai ici, vite, je prie pour lui, et puis je prends ma Bible, je m'en vais. Vous voyez, Dieu est extraordinaire. Et oui, j'ai dit vrai, Dieu mettez-moi. J'ai dit, je prends ma Bible là, je me glisse, il peut rester, je pars. Et bien, je m'assieds là, maintenant pour partir, j'ai dit, bon, je vais partir. Il est devant toi, il a besoin que tu pries pour lui. J'ai dit, Seigneur, je vais prier pour lui, et puis je m'en vais. Je me mets là, vous ne voyez pas vous. D'ailleurs, la presse c'était quoi? Si quelqu'un qui l'avait vu, je me souviens, j'étais debout avec ma veste de costume et avec ma Bible ici. Quand je suis venu pour prier pour la personne qui était ici. Vous souvenez ce qui est en fait? Eh bien, j'ai prié pour Jésus Seigneur, comme je suis déjà habillé, j'ai prié pour lui et je m'en vais. Vous avez remarqué, non? J'ai enlevé ma veste ici. Puis ma Bible, je l'ai remise après. Oui, c'est sûr et certain. Mais c'est comme. C'est comme je pense, c'était jeudi ou je ne sais pas si c'était jeudi. Ben jeudi, vous avez vu ce qui s'est passé, non? Ah ben je suis allé m'asseoir là. Bible en main. Et non, mes yeux fermés, on chantait, on priait, vraiment, c'était extraordinaire. Et voilà, je pense que c'était jeudi, c'était jeudi. Et voilà que maintenant j'étais assis, puis je dis bon, c'était le moment, je devais partir. Je dis bon, je dois sortir. Pour aller comme ça, sur l'esprit positif, je devais partir. Bible en main. Pendant que j'étais assis là-bas, mes yeux fermés, qu'est-ce que je vois? Je vois. D'abord, la voix qui me fait savoir, elle me dit, voilà, ne pars pas, reste ici. Il faut rester ici. Je dis, restez là. Ah, je dis, je dois rester là. D'abord, mes yeux fermés, je vois effectivement quelqu'un qui était à genoux juste devant moi ici. Je dis, bon. Puis il me dit, ne pars pas, ne sors pas. Ne fais rien. Non, ne fais rien. Je fais rien. Je dis, je vous rappelle Dieu, tout le monde est assis. Alors, bon, je vous dis vrai, puis je ferme, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai. Puis je prie, puis bon, paf, tout d'un coup. Pendant que j'avais mes yeux fermés, vous ne l'avez pas vu, quelqu'un était là. Vous savez? Le Seigneur savait qu'il allait toucher son fils là, avec ce qui était pour revenir jusqu'ici, pour que je prie. Puis moi, je ne savais rien. Et pourtant, j'ai toujours l'habitude, je prends vite ma Bible, je m'en vais. Il ne t'en va pas, reste là. C'est pour dire, frères et sœurs, comme je disais, quand vous venez dans la maison du Seigneur, laissez vos rendez-vous dehors. Amen. Seigneur,
Tu vas me parler, tu vas peut-être me conduire, tu vas faire ci, je ne sais pas, Seigneur. Mais aujourd'hui, vraiment, parce que quand même, nous sommes tous aussi égoïstes. Hein. Le lundi, le mardi, on a affaire avec nos affaires quand même. Et dimanche, je dis, oh, c'est vrai, je viens à l'église, mais sache que vers 13h30, il faut que je parte. C'est pour peut-être me dire, bon, écoute, prêche, mais à 13h30, si tu peux accélérer, comme ça, moi, en fait, pour commander à ce moment-là, 13h30, je dois absolument partir. Mais vous n'avez pas besoin de venir. Si vous voulez partir à 13h30, vous partez. Mais ne m'appelez pas, frère, je viens quand même, que Dieu vous bénisse pour quand même venir à l'assemblée, mais à 13h30, je dois partir. Est-ce que vous saisissez? Oui. Donc, je crois que il faut qu'on ait du respect à la gloire de Dieu. Amen. Moi, je ne peux pas venir ici. J'ai dit, mon Seigneur Jésus, voilà, la sœur telle, il m'a dit 13h30, elle va partir. Donne la possibilité que la prédication s'arrête à 12h35. Puis après, on conduit, puis souvent, il peut avoir l'état. Non, ça, c'est jouer avec Dieu, c'est manquer de respect. Amen. Tu ne peux pas dire ça à un ministre que tu, pour lequel tu as du respect. Dis, voilà, il t'invite, ou le roi qui t'invite, dis, monsieur le roi, sache que je viens chez toi. Mais à 12h35, moi je dois partir. Vous n'allez jamais rien. Non, vous allez là-bas, si tu veux le voir, je reste même toute la nuit. Je dirais, tu dis, je reste. C'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, il faut que nous respections Dieu. Il faut que nous puissions être dans un état. Pas que, bon, comme les autres, ils me disent, mais les cultes durent combien de temps? Vous venez pour savoir d'abord avec combien de temps durent les cultes. Bon, frère, je vais venir chez vous à l'assemblée, mais non, je ne sais pas combien de temps va durer les cultes. Mais... alors autant ne pas venir. Amen. Si tu viens avec la montre tout le temps, tu ne vas même pas écouter. Parce que Dieu peut commencer à parler dès le début, il parle à quelqu'un d'autre, mais toi tu es vers la fin. C'est sûr et certain. Il fait, il ne te voit pas les mots. Je viens, je suis présent. Dieu, parle-moi d'abord le premier, le restant, tu fais pour les autres. Mais c'est comme ça que vous faites. Je suis pressé, je suis pressé. Même si tu es malade, tu es là, tu sors, tu n'es pas bien, dit, mais Seigneur, je suis dans ta maison. Tu m'as mené ici pour que je puisse arriver à votre... Vous savez, frères et sœurs, vous ne connaissez pas la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Quand tu commences à pouvoir dire au Seigneur, voici, je suis à toi. Je suis là pour toi, Seigneur, étant ta mère. Je veux rester pour pouvoir t'écouter. Vous verrez comment les démons vont simplement quitter. Et vous sentirez qu'il y a un changement. Oh, mais c'est vrai, Seigneur. Et puis la force revient. Pour tenir, effectivement, pour cela, on va me dire, oh, j'ai envie de dormir, je me sens dormir. Et même si tu dis, oh, je suis assis, j'ai envie, tu commences à sentir, sommeil, ah, qui termine, je vais dormir. On peut couper la réunion. Tu sors là, le sommeil est parti. Mais quand tu es assis, oh, je vais dormir, ah, oh, si, je peux aller dormir. Et on te fait sentir, le sommeil est parti. C'est la manière de l'ennemi de vous distraire pour que vous ne puissiez pas être attentif et ne pas recevoir. Alors ici, nous l'avons entendu, il dit, ben, je veux que nous élevons le prière, comme il dit, donc, bon, ainsi que la prière. Je veux donc, avant toute chose, faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions, des grâces pour tous les hommes. C'est extraordinaire, ça. Et de faire des prières, vous entendez bien, prières, et puis des supplications. Donc quand on parle de supplications, c'est-à-dire qu'en fait, on est à genoux, on supplie Dieu pour ces personnes-là. Est-ce que vous suivez? Je ne dis pas que ce n'est pas forcément pour moi, mais pour ces personnes, lesquelles il dit des requêtes, des actions, des grâces pour tous les hommes. Donc il dit effectivement que voilà dans quelle position vous devez vous trouver, vous. Parce que là, c'est Paul qui s'adresse. Comme nous l'avons entendu. Première épître de Paul à Timothée. Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Eh oui. Il avait dit de tous les autres, et puis il ajoute maintenant aussi pour le roi. Même si le roi Hérode était un roi qui est mauvais, même si c'était le roi, il est méchant. Mais ce que je vous demande, c'est de prier pour eux. Amen. Pour tous ceux qui sont élevés aussi en dignité. Qui ont les honneurs, effectivement, cela. Écoutez bien, il dit. Et il dit, afin que nous menions
une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Vous savez, mon frère et ma soeur, ceci est très important, ça. On dit bien prier pour le roi, pour les hommes qui sont dans le gouvernement, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la plupart de ces hommes, effectivement, ils sont tous sous l'influence des mauvais esprits. Ils vont prendre des lois, de ceci et de cela. Nous voyons effectivement, mais c'est pour que vous puissiez comprendre la puissance de la foi de la prière d'un croyant. Un croyant par la prière qui peut s'adresser à Dieu pour une requête particulière. Dieu peut changer même le système. Amen. C'est la vérité. Même si on a pris des lois. Parce qu'ici, on dit bien, afin que nous menions une vie paisible. Même si c'est des lois pour qu'il va avoir à faire ceci, faire ceci, faire cela. Et que nous nous mettions à genoux. Amen. Parce que là, bien, mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Pour que dans ces choses, effectivement, que la main de Dieu y soit. C'est sûr et certain. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, ta prière à toi devant Dieu, tu dois être conscient, effectivement, que dans une telle situation, si je prie, je ne prie pas, nous avons entendu la Sainte Écriture, qui dit que si nous demandons quelque chose à Dieu, selon sa volonté, nous savons que Dieu nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose. Ici, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui a dit que nous prions pour que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc, quand les choses viennent effectivement pour troubler, eh bien, c'est comme je disais l'autre fois. Et maintenant, il faut bien discerner les choses de Dieu. Quand nous prions, on ne va pas arriver à pouvoir dire « Oh Seigneur, fais qu'il n'y ait plus de guerre. » Non, parce que la Bible dit qu'il y aura des guerres. Donc vous devez savoir effectivement, alors c'est pour ça qu'il faut être instruit pour savoir comment prier Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Alors, regardez comme il donne l'exemple effectivement à votre famille. Il dit bien, on a pris les lois. Enfin, il dit, mais tout étranger qui en ce jour illégal doit quitter les territoires. N'est-ce pas vrai? Et parmi les étrangers dont on a mis dans le séjour illégal, effectivement, qui se sont. Et bien ici, se trouve toi, mon frère, se trouve toi, ma soeur, un fils de Dieu qui se trouve dans une situation où il n'y a pas de séjour. Tu vois, c'est une autre fois, non? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, effectivement? Vous sortiez, on voit un groupe de deux, trois. Nous, on a connu cette époque-là. Ils avaient des gendarmes de chez nous, ils avaient encore des Golf 4, sauf que le Golf ou le Golf 3, je ne sais pas quoi. Les petits modèles-là qui avaient des. On appelait ça bande rouge. Maintenant, ça va, frère. Mais avant, vous sortiez seulement ici, à l'arrêt, tremble-là. Joie! On vous voit tous loin de toi là. Pas bon, c'est vous. Moi, j'ai connu ça une fois. J'habitais encore à ce moment-là en dernier. Et c'est tout près de la gare du Midi. Je venais descendre la gare du Midi. Et je rentrais donc pour aller. J'avais un studio que je louais là. Et je descends, je vais pour aller rentrer chez moi. Donc, ça, c'est la rue Barra, donc l'appartement. Le studio était là. Et puis, moi, j'étais ici. Je vois simplement combien de la gendarmerie, ils m'ont vu de loin. Tous les autres, on n'a pas demandé. Moi, waouh! Et ça arrête là. Chien berger allemand, un avait une chaîne. Vous voyez la chaîne là qu'on attache les camions là? Il tournait comme ça devant moi. Qu'est-ce qu'il demandait? Papier! Papier! Il dit, mais papier! Avec une grosse chaîne que vous tournez comme si j'étais une bonne fois et vous me demandez papier, comment je vais le faire de mettre la main dans la poche? J'ai peur que cette chaîne là m'attrape et que le chien me mange. J'ai vécu ça. J'ai dit oh, pas de problème papier, pas de problème papier. J'ai dit, je cherche le papier dans la poche et j'ai tenu le papier. Pendant cela, on appelle Central. Est-ce qu'il est bien à l'ordre? Puis Central dit oui, il est à l'ordre. Et puis on m'a laissé, je suis parti. Donc, c'est pour dire que c'était. Alors, à ce moment-là, les choses étaient tellement. Et qu'est-ce qui s'est passé parmi ces hommes? Les frères, beaucoup, n'avaient pas de papier. Et les contrôles, effectivement, se faisaient régulièrement à ce moment-là. On arrêtait, on fermait, on embarquait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a prié. On
s'est mis à genoux pour pouvoir prier, pour que... Et je l'ai dit même ici qu'à l'époque, effectivement, ce n'était... Vous ne pouvez même pas vous inscrire dans une commune parce que quand le quota des étrangers était atteint, vous trimballez avec vos papiers pour aller vous inscrire. Il dit, ah, ici, non, on ne peut pas vous accepter. Ici, non, on ne peut pas vous accepter. Ici, non, il faut aller où? La commune là-bas. Et là-bas aussi, ils peuvent inscrire, mais les conditions pour les étrangers, ce n'est pas facile. Vous cherchez les communes qui étaient faciles, effectivement, tout était déjà fermé. Alors quand on s'est mis à genoux, les croyants pleuraient, priaient Dieu, que Dieu accorde la grâce, c'est comme cela que la première fois, la régularisation est sortie pour qu'on régularise tous ceux qui étaient sur le territoire. J'ai déjà raconté ici, non? Donc c'est pour que nous comprenions que la parole de Dieu est toujours vraie. Et quand nous nous référons à ce que Dieu a dit, et nous prions en rapport avec ce que Dieu a dit, le résultat se fait sans dire. Même si le gouvernement a pris une décision. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut mes frères, c'est vrai, ça peut arriver lors de quitter les territoires, mais ne vendez pas votre âme pour aller chercher. Bon, maintenant, il faut que je fasse ceci, quel petit coup je peux faire, quel papier je peux fabriquer. Ne faites pas ça. Quand tu fais ça, tu donnes l'occasion à Satan de voir mettre la main sur toi. Tu as un Dieu. Amen. J'aime beaucoup ma soeur Élie. Amen. Elle a un cantique qu'il chante ici. Amen. Vous connaissez, non? Amen. Ma soeur Élie, tu viendras nous chanter ça. Alléluia. C'est vrai, frère. Amen. Donc nous avons besoin de pouvoir réaliser que nous, nous avons une grâce tout à fait particulière. Le Dieu que nous avons, c'est le Dieu qui est le créateur de toutes choses. Il peut changer le système. Il peut être transformé, effectivement. Quand c'est dans sa volonté, il le fait. Amen. Je vous l'ai dit aussi autrefois, aussi avec Josué, effectivement, qui a fait arrêter la lumière du soleil. Donc il a fait arrêter les temps, effectivement. Oui, parce que c'était dans la volonté de Dieu. Il a prié, il dit, mais Seigneur, tu nous as donné ce territoire. Et l'ennemi, là, tu as dit que tu nous l'as donné à nous. Maintenant, voilà, il va s'enfuir. Si les ténèbres viennent, on ne le verra pas. Il faut que la lumière soit. Alors, soleil, arrête-toi. Le soleil obéit. Amen. Donc, nous devons être... Bon, c'est pour ça que quand nous venons dans la maison du Seigneur, c'est pour que nous écoutions la parole de Dieu, que nous sachions, que nous apprenons qu'est-ce que notre Dieu nous a donné comme propriété. Amen. Qu'est-ce que nous détenons, nous, comme droit, effectivement, devant le Seigneur? Qu'est-ce que moi j'ai? Comme ces jours-là, effectivement, lorsque Pierre et Jean, avant ça, ils ne savaient pas. Hein? Mais ces jours-là, quand Pierre et Jean montaient à la porte, au temple, effectivement, ils ont trouvé cet homme-là important. Ils lui ont dit, mais fixez-nous du regard. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais moi, Pierre et moi, Jean, nous avons quelque chose que nous possédons. Donc, il était certain, effectivement, qu'il avait quelque chose. Donc un fils de Dieu, même si on l'amène devant les tribunaux, devant notre, il doit savoir avec qui effectivement je marche. Qui est avec moi? Parce qu'il t'a toujours dit, mais invoque-toi, invoque-moi. Dans ta détresse à toi, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Ce n'est pas un païen qui va le glorifier, mais c'est toi. Donc, qu'elle a banni l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Donc, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Vous savez, la peur et le découragement, je ne sais plus très bien, c'est un manque de foi. C'est ça. Tu n'es même pas sûr de ces dieux. C'est cela le problème, en fait. Manque de confiance et manque de foi. Dans une épreuve, on s'est dit, mais Seigneur, je vais d'abord me regarder, m'examiner. Est-ce que j'ai manqué quelque part? D'abord, il faut d'abord s'examiner. Amen. Quand Abraham est venu avec la chose, Josué, lui, quand il sortait, Josué était téméraire. Il dit, Dieu l'a dit, nous coupons la tête, il partait, on coupe la tête. Et puis à ce moment, il veut partir. Il dit, non, Josué, il dit, mais nous sommes tellement nombreux. Comme Dieu nous l'a donné, effectivement, 10 millions les fonds, et que le peuple reste, nous, on va comme ça, on va voir la victoire. Il dit, il n'y a pas de problème, je suis convaincu. Et puis ils arrivent, pas de victoire. Il dit, non, ce n'est pas normal. Seigneur, ce n'est pas normal. Nous sommes un peuple de victoire. Amen. Dont la victoire nous appartient. Amen. Comment ça se fait qu'ici, je rencontre une défaite? Vraiment. C'est comme les étudiants. Papa dit, bon, Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue, alors je dors, je ne vais pas examiner, je ne vais pas lire les syllabus, je ne vais pas étudier. Non, mon frère. Amen. Non, ma soeur.
je dois étudier. Amen. Parce que Dieu veut voir le fort que tu fais. Il y a un étudiant qui dit, moi je veux réussir. Amen. 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 Donc, il dit, moi, il dit, mais non, c'est pas possible. Parce que c'est comme Josué, il savait. Parce que pour la victoire qu'il avait, il faut qu'il puisse accomplir, il faut qu'il combatte. Je comprends la victoire. Je vais dire, bon, j'ai la victoire, tu m'as donné Haï, je reste, Haï va tomber tout seul. Tu dois avancer, tu dois arriver à pouvoir combattre effectivement, mais sachant que l'épée que tu m'as donné, j'ai la victoire. Amen. Et c'est comme cela, oui mon frère, ma soeur. Et c'est comme cela qu'effectivement, que la vie de Dieu est sur moi et avance. Donc, là, comme il nous fait pas effectivement que nous puissions réaliser, nous réalisons effectivement que dans une circonstance, dans une situation, effectivement, et surtout au stade où Dieu nous a donné la grâce de pouvoir nous retrouver, nous avons l'assurance de savoir que partout où je passe, je vais vous raconter une chose. Je partais en voyage, c'était en Guinée-Conakry, puis je devais arriver, arriver jusqu'à au Libéria, mais un pays là, Freetown, c'est Sierra Leone. Et voilà que je pense, c'était par la voiture, je devais partir, on m'a pris à la frontière, donc, disons, à partir de l'aéroport des choses de Guinée-Conakry, puis on devait partir maintenant pour aller à Sierra Leone, à tenir les réunions, et puis de Sierra Leone, partir au Libéria, puis le Libéria revenir jusqu'à. Au Libéria, non, en Guinée, pour tenir une réunion, puis rentrer. On ne met pas dans la voiture, c'est frère Bocari, il vient de la voiture. On rentre dans la voiture, et moi, en prenant mon visa ici à l'ambassade de Sierra Leone, j'avais demandé mes titres d'entrée. Il me dit, non, monsieur, on te donne seulement une entrée, quand on arrivera chez nous là-bas, on va donner notre entrée pour... Je dis, madame, je vais jusqu'au Libéria, et pour Libéria, pour revenir encore chez vous, je ne sais pas demander les visas, là-bas, ça va être... Il dit, non, vous pouvez... Pas de problème. Je rentre dans la voiture, puis j'arrive à la frontière, on met les cagés. Et moi, pour la Guinée qu'on a pris aussi, je n'avais qu'une seule entrée. On va pas me donner une double entrée. Donc, or, je pars, mais je dois revenir pour rentrer en Guinée, pour reprendre, tenir les réunions, et puis prendre l'avion pour revenir ici. Bon, on m'a embarqué dans la voiture, on arrive à la frontière Sierra Leone, on met les cagés, je suis sorti. Puis j'arrive là-bas. On prend un autre bus, un véhicule effectivement dans la forêt là-bas, c'était vraiment un véhicule tout à fait spécial. J'en ai vu des choses dans ma vie. Et dans la forêt, alors c'était un véhicule chargé. Si vous montrez les photos, vous pouvez pleurer. Alors c'était dans la rue, dans la forêt, là où il n'y a vraiment pas de route, effectivement, chargé. Alors vous étiez vraiment serré là, effectivement. Mais on m'a donné un siège juste devant, à côté du conducteur. Donc effectivement, pour se sentir mieux, parce que devant le conducteur, on se met trois. Ça veut dire qu'il y a un ici, et puis un autre qui se met juste au milieu, et le conducteur doit passer les vitesses entre les jambes de la personne. Parce que pour gagner beaucoup en Afrique, c'est comme cela. Eh bien, moi, j'ai dit, mais monsieur, ça va être difficile. Et puis moi, pour pouvoir bouger, parce que j'ai sujé les jambes longues, j'ai vraiment le dos ici, je vais acheter la place de ce monsieur ici. Donc j'ai acheté ma place, et la place mine. Bon, on est allé. On roulait, et puis bon, il fallait arriver à la frontière avant 18h. Si tu arrives à la frontière après 18h, la frontière est fermée et vous devez trouver un endroit pour dormir. Et vous connaissez comment c'est là. On est rentré dans le bus, dans le véhicule, on roulait, les situations sur la route, et effectivement, on n'arrive pas. Eh bien, la frontière fermée. Et vous connaissez les villages comment sont là-bas. Hôtel, il faut trouver l'hôtel. Et alors, quand on est arrivé à la douane, c'est attendre. J'arrive là, j'ai dit, mon Dieu, fermé, qu'est-ce que je dois faire? Alors ils vous disent, comme le véhicule est arrivé ici, que vous êtes traversé, vous ne prenez rien dans le véhicule. J'ai dit, mais monsieur, quand même, pour que je dorme, il faut un pyjama quand même. Tout doit être enfermé. J'ai dit, mais je ne peux pas dormir comme ça. Il faut quand même ouvrir ma valise. Il a fallu demander une autorisation
pour que la douane, la prise à douane vienne là, pour le camion, qu'on ouvre, que vous preniez le vêtement qu'il vous fallait, et puis vous fermiez sous leurs yeux et vous laissez là. Alors pendant que j'étais là debout avec les frères, je disais, mais mon Seigneur Jésus, où est-ce que je vais dormir? Tout d'un coup, j'entends, ça c'est chose vécue vraie, Bible à main. Je vois un policier qui vient, qui se met à côté, il dit, mais vous, monsieur, je dis, moi, monsieur, j'étais avec Frère Bocari. Vous, monsieur, je dis, je suis avec lui. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait comme problème? Il dit, non. Il y a une dame qui nous a demandé, et cette dame, elle nous a dit, vous, il y a une place chez elle qui est préparée pour que vous puissiez dormir. Alors j'ai dit, moi, ok. Et on est parti. Dans la voiture où nous venions avec, effectivement, il y avait certainement une dame qui était assise là. Et pendant que nous parlions avec Frère Bocari, effectivement, et la dame posait la question, elle dit, oui, il parlait, effectivement, oui, nous allons là-bas. Sauf, moi, je ne savais rien. Or, cette dame-là, c'est quand je suis allé chez elle. On est arrivé, et j'arrive chez elle à la maison, mon frère et ma soeur, contre toute attente, il y avait une chambre qui était préparée pour moi. Et comme moi j'aime bien me laver, le Seigneur avait touché le cœur de la dame. Amen. Elle avait chauffé de l'eau dans des seaux. Elle avait placé de l'eau de l'autre côté là-bas. Amen. La nourriture, elle avait déjà préparée, prévue là-bas, effectivement. Et puis j'ai dit, mais madame, eh bien en fait, on me dit, mais la dame que vous voyez, c'est une policière qui travaille dans la douane. Quand vous venez de la voiture avec elle, elle était assise là à côté. Et quand elle avait des situations problématiques, vous l'avez aidé à pouvoir avoir la place qui était de ce côté-là. Et puis quand vous étiez en train de vous parler, effectivement, quand l'autre vous posait la question, elle avait entendu, elle savait effectivement qui vous étiez. Et quand elle est arrivée, effectivement, elle n'a rien dit. Elle est allée elle-même là-bas, elle a préparé les lits, elle a préparé tout. Elle dit, mais Dieu m'a mis à cœur. Et vous savez ce qu'elle a dit, mais monsieur, je vous dis, mais Dieu m'a mis à cœur de pouvoir vous inviter dans ma maison. De voir préparer la place, effectivement, pour vous dormir. J'ai préparé aussi de l'eau pour vous. Regardez, de l'eau pour vous, dans la salle de bain à côté là-bas, pour que vous puissiez vous laver et que vous dormiez. Après, vous avez à laver. Vous avez la nourriture ici. Et moi, et puis, il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est dans la chambre que moi je dors. Moi, j'ai dit, je vais dormir sous la natte ici. J'ai dit, vous me laissez votre endroit. Et moi, je dois dormir, effectivement, là, tu dors par terre. Il dit, oui. J'ai dit, mais comment vous appelez? Vous savez comment ça s'appelle? Rebecca. Amen. J'ai dit, vous appelez Rebecca. J'ai dit, Dieu vous aime. Amen. J'ai dit, et j'ai prié pour elle. Et là, demain matin, elle ouvre la frontière, nous parle. Mais écoutez, on part jusque au Libéria. Et maintenant, on arrive au Libéria. J'étais mis des réunions et tout ça. Le problème était que quand j'ai quitté Sierra Leone pour aller au Libéria, il y avait de barrières. Tout le temps, on était arrêté, contrôlé, pourquoi? Parce que Libéria est un pays en guerre. Alors j'ai dit, mais Seigneur, on ne va pas arriver à pouvoir revenir. Quand on va revenir, ce sera la même chose. Comment ça va se passer pour moi là-bas? Parce que depuis Libéria, depuis Sierra Leone, jusqu'à là-bas, armée, militaire, on fait arrêter sur le chemin. Et comment je veux m'en sortir, Seigneur? J'ai transpiré déjà parce que le visa pour revenir, c'est un problème. On arrive au Libéria. Regardez comment Dieu fait. J'ai tenu les réunions, effectivement, et je termine les réunions, frères. Je dois rentrer. Là où nous dormions, le monsieur me dit, parce que j'avais prié pour sa maman, et pour lui aussi qui avait un problème. Puis il me dit, mais il y a quelque chose que je vais vous demander. Vous voulez rentrer? Moi je dis, mais on va rentrer, mais j'ai un problème pour pouvoir trouver une voiture. Il dit, ne vous inquiétez pas. Il appelle. Vous savez ce qui s'est passé? Le membre du Parlement du Libéria, il demande au Parlement une voiture de parlementaire. La voiture du parlementaire, elle vient. Il dit, bon, j'ouvre la portière, je rentre la porte dans la voiture, je ne l'étais pas. On ferme la portière. On démarre, je dis, mais maintenant, sur le chemin, je dois payer le monsieur, je dois encore payer. Il ne m'a rien dit, monsieur. On roulait, ma soeur et mon frère. Sur le chemin, là où il y avait les barrières qui étaient les militaires, j'arrive comme ça avec la voiture, on fait ça. Je dis, moi qui j'ai passé, on me fouillait partout. Maintenant, je rentre, après avoir accompli ma mission, je rentre, on me salue. Les barrières, frontières ouvertes. J'ai dit, non, vous inquiétez pas. Toutes les barrières. On les barrières. Je dis, alors, je suis devenu. Je vous dis la vérité, frère et soeur.
barrière comme ça quand on me voyait. Je dis, mais quand je passais, tu ne me considérais pas. Maintenant, tu salues. Et maintenant, j'arrive jusque maintenant, on termine la Libéria, maintenant pour rentrer maintenant à Sierra Leone. Je dis, bon, maintenant, je dois passer à la frontière pour faire la formalité. Il dit, les chauffeurs me disent, vous ne descendez pas de la frontière. Cette voiture ici, elle va vous amener jusqu'à Sierra Leone. Il dit, traverser la frontière. Oui, pas de formalité de manière. Non, moi, je descends. Quand j'arrive là-bas, je dis, voici, j'ai une autorité de la voiture. Amen. Alléluia. Et là, moi, j'étais là, assis dans la voiture, il est descendu, puis il est venu, pas de problème, comme ça. Et j'ai dit, frère, il est dit, frère, quand il est là, moi aussi, oh. J'ai dit, Jésus, mon Seigneur. Il est bon, le Seigneur. Et c'est pas, ce n'est pas terminé. Alors maintenant, on arrive maintenant à Sierra Leone, et puis on a dit, bon, je ne peux pas aller plus loin maintenant, je vous dépose ici, vous pouvez prendre mon transport pour aller jusque maintenant Guinée-Conakry. Je rentre maintenant dans la voiture, notre voiture l'a trouvée, et puis on roule, maintenant on arrive maintenant pour la frontière. Ça c'est frontière Guinée, frontière Sierra Leone, pour rentrer maintenant en Guinée. Je n'avais pas de visa guinéen. Ah oui, je n'avais pas de visa guinéen. Je dis, bon, là maintenant il faut négocier, je ne sais pas comment on va faire, si on va me remplir. J'arrive, écoutez, non, Dieu est grand, j'arrive à la frontière. C'était aussi l'armée, parce que toujours la période de la guerre, effectivement, l'armée était là, parce qu'il y avait un problème. Rentrer et puis trouver un moyen de transport pour aller jusque à Conakry. J'arrive à la frontière, je me tiens là, bon, je dis, bon, je regarde, Seigneur, que je vais, il y avait du monde qui est rentré, je ne sais pas, il faut expliquer. Je dis, bon, on y a. Je dis, Seigneur, sois avec moi, je n'ai pas de visa, je ne sais pas comment je vais faire, et comment je vais faire ici pour rentrer, tu sais que je dois rentrer chez moi. J'arrive au guichet, le gendarme me regarde, le douanier me regarde. Il dit, donnez-moi votre passeport. Il prend mon passeport. Il tourne. Il voit bien que c'est bizarre. Une seule entrée. Il me regarde. Vous voulez aller en Guinée? Je dis oui. Amen. Pas d'explication. Pouf. Et là, mais quand je suis entré, parti. Je dis, oh Seigneur. Maintenant, il dit, mais je suis rentré. Maintenant, comment je vais partir? Alors là, quand on est passé pour. On sort du bureau de douane, il y avait du monde, des véhicules qui étaient là, qui rentraient, effectivement, pas de place. Je vous dis la vérité, frère et soeur. Dieu que je sers, mettez-moi. Je me tiens maintenant debout. Je dis, Seigneur, comment je vais partir? Tout d'un coup, je vois, je crois que c'était un lieutenant ou un colonel, qui vient vers moi. Il dit, vous? Je dis, moi? Je dis, qu'est-ce que j'ai encore fait? On m'a contrôlé là-bas. Parce qu'en Afrique, c'est dangereux, vous savez. Ah oui, on peut vous faire des fouilles 6 et 50 fois. Je dis, mais s'il me vérifie encore maintenant mon passeport, il voit que, hein, qu'est-ce que je peux dire? Vous ici? Il dit, mais venez où? J'ai dit, je vais à Conakry. Parce qu'il faut baisser la voix. Mais c'est vrai, tu m'as dit, oh, je vais à Conakry. Là, tu m'as dit, chef, je vais à Conakry. Là, à Conakry, j'ai dit, oui, chef. Il dit, non, viens. J'ai dit, je commence à préparer mon passeport. Il dit, non, mon chef. Il dit, non, je vois seulement Mercedes. Il ouvre la portière. Il dit, vous entrez ici? Asseyez-vous là. Il dit, je m'assieds ici. Il dit, oui. Il dit, on m'emmène en prison. Il dit, oh. C'est vrai ce que je vous dis. Non, on vous amène à Conakry. Frères et sœurs, je rentre dans la voiture. J'arrive à la frontière. Oui, tiens pas. J'ai dit, ce que j'ai vécu là-bas, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai dit, les gars, j'ai eu des ballons. C'est vrai, chaque fois, jusqu'à Conakry, sans stop, sans contrôle. Il y aurait des fausses là. Il dit, voici, vous êtes arrivés. Amen. Et je suis descendu. Le Seigneur prend soin. Dans le moindre détail, Amen. Il peut même arriver à pouvoir vraiment prendre, vous savez, même les autorités d'un pays pour vous. Amen. Parce que ne vous regardez pas comme, c'est vrai, aux yeux des hommes, nous ne sommes rien. Mais quand Dieu agit, Amen. Quand Dieu agit avec vous, Amen. Vous devenez quelqu'un. Amen. Et quand il est fait parfaitement. Amen. La même chose, j'arrive en Thaïlande, le frère vient recevoir à l'aéroport, il dit voilà, on va aller pour que vous puissiez avoir des réunions. Et puis, paf, on reçoit un appel, la dame vient, donc c'était ça que j'appelle, elle dit voilà, on veut vous recevoir. Et on a prévu pour pouvoir vous recevoir. Je dis, recevoir moi, vous continuez? Oui, ce soir. Le frère qui me regarde, on lui dit, mais et on vous reçoit dans la résidence du sénateur, qui est donc secrétaire du président, du premier ministre. Et je suis arrivé là-bas.
Vous avez des autorités thaïlandaises, les staffs le plus jeune. J'en connais pas les disciples. Ils étaient tous là dans cet endroit. Le frère qui me regarde, et le frère Lucas, me dit, regardez, mais frère, nous avons déjà eu des hommes, c'est ce que je dirais, qui nous avaient fait accompagner des gens qui servent Dieu. Mais toi, c'est quand même particulier. C'est la première fois dans l'histoire qu'un homme qui vient pour servir Dieu dans un pays comme celui-ci, qu'il soit reçu par les autorités de ce pays. Et c'est vous, effectivement. Et j'étais là. Donc, ce soit les sénateurs, ils ont des machins, des édutons, tout ce qui vient de même dans la navale. Ils étaient là, effectivement. Que j'étais pas. Je devais apporter la parole de Dieu. Il me dit, mes frères, il y a quand même quelque chose de particulier avec eux. Je dis, je ne suis pas particulier du tout. C'est simplement la grâce de Dieu. Il dit, mais je n'ai jamais vu ça depuis que moi, je sers Dieu. Pour la première fois. J'ai dit, mais le Dieu que nous servons, il dit de la Bible. Il est capable de faire. Parce que quand je parlais de l'Afrique, on dit, bon, l'Afrique, mais ça c'est l'Asie. Si je prends maintenant le Pakistan, je n'ai même pas demandé. Mais on me prend, on dit, mais monsieur, viens à la télévision pakistanaise, où je pouvais prêcher devant 70 pays qui étaient en connexion. Je n'ai même pas payé un franc. Et nous, en tout cas, on a le désir que tu viennes, que tu prêches ici pour que tout le monde t'entende, que tu vois. Je dis, mais pourquoi? Parce que Dieu que vous servez, quand vous le priez de tout votre cœur, il peut changer. Amen. Même si l'homme était des droits à te donner, ne vend pas ton droit de naissance. Amen. Tu n'es pas comme les autres. Tu es un fils de Dieu. Amen. Oh Seigneur, il y a du chômage, je ne sais pas, on parle du chômage, je gratte ma TCP, je ne vais pas avoir un travail. Non, mon frère. Amen. Ne tombe pas dans le désespoir, je ne sais pas ce que l'endemain sera. Non. Tu m'as dit, Seigneur, que mon père me sera assuré. Amen. Élis ton serviteur. Quand il y avait sécheresse partout à gauche et à droite, Seigneur, il n'est pas mort de faim. Il ne lui a pas manqué de l'eau. Tu as même pris les corbeaux, les oiseaux pour les nourrir. Amen. Amen. Alléluia. Donc Dieu peut se saisir. Le problème pour nous, c'est avoir confiance, voir en ces dieux et connaître. Alors nous continuons à dire, mais voilà. Verset 3 dit, cela est bon. Donc priez pour que Dieu touche effectivement, que les choses soient changées, pour que nous puissions réellement continuer à vivre. Et servir le Seigneur avec tout notre cœur. Problème, effectivement, pour que quand il n'y a pas de travail, écoutez-moi bien, quand il n'y a pas de travail, créez des sociétés qui créent le travail pour toi. Amen. Oui, monsieur. Amen. Et quand on prend la décision, on dit on va pas donner ces jours pour ceci, que Dieu touche le cœur de quelqu'un qui est à côté de nous. Pour cette dame ici, on doit faire l'exception. Amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Amen. Oh frère, quand on chante ces cantiques que je connais, c'est Dieu puissant. Il relève tout défi. Nous savons ce que nous chantons. Amen. Nous ne parlons pas des histoires que l'on fait. Ce sont des choses que nous avons vécues. Amen. Donc celui-ci dit non. Lui, on ne veut pas donner. L'autre dit, cet homme ici. Amen. Je sens qu'il faut donner. Amen. Cette fille ici, nous ouvre les dossiers. Alléluia. Amen. Oh frère, il est sommeil, il est dort. Amen. Je vous rappelle une chose. Amen. Il y a eu un homme du nom de Mardochée. Cet homme était laissé de côté par un amant, on l'insultait. C'était un juif, effectivement. Mais il aimait son Dieu. S'approchait à son Dieu. Amen. Oui, mon frère. Oh, on voulait rien lui donner, effectivement. On voulait même tuer même toute sa population. Naaman avait mis la côte, effectivement, pour le prendre, certainement. Naaman est allé vers le roi, il dit non. Et effectivement, mais parce que, regardez bien, il détestait Naaman, il détestait parce qu'il ne s'inclinait pas devant lui, c'était un juif. On s'incline devant Dieu. Amen. Amen. Et comme Naaman était très élevé, il était la confiance du roi, il dit roi, tu me fais de moi ton second, je veux tuer tout ce que je veux. Alors je veux la tête de quelqu'un, effectivement. Donc il était là préparé tout ça. Vous connaissez, non? Alors pendant, lui, Mardochée aimait son Dieu et s'accrochait. On complotait comme lui, effectivement. Mais il ne cherchait pas cela. Pendant que le roi dormait, il n'allait même pas dormir le roi. Qu'est-ce qu'il a fait cela? Dieu. Alors lui, dit, non, le roi dit, mais je n'arrive pas à dormir. Hein? Cherche-moi un peu quelque chose à pouvoir lire, hein? Les chroniques et tout ça. Amen. Oh, dans les chroniques, c'était qui des Mardochée? Qu'il avait fait du bien pour le roi, et le roi ne le savait pas.
Le dossier était en dessous, d'en dessous. Alléluia. Oh oui, mon frère. Le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Aie foi en ces dieux. Aie confiance. Il agira certainement. Du trou dans lequel on t'a placé, il te fera sortir. Alléluia. Dis-le certainement, mon frère. Avec ces dieux, nous faisons des exploits. Alléluia. Il a dit. Je serai l'ennemi de tes ennemis. L'adversaire de ta sélection. Laisse les hommes te détester, mais toi ne les fais pas. Amen. Voyez simplement l'amour comme Dieu t'a dit, parce que c'est lui qui combattra pour toi. Quand on a fait sortir, le monsieur veut toujours toucher votre rouleau, mais la main de Dieu. A conduit effectivement jusqu'à tout soit, parce que c'est lui-ci. Et la main a touché quoi? Un rouleau? Il ne savait pas ce qui était dedans. Amen. Il dit, mais on va lire les colis pour le roi, pour qu'il s'endorme. Alors on a commencé, on a parlé. Ainsi, un homme a sauvé, en fait, il dit, quel est cet homme-là? Mardoché! Alléluia! Quoi? Il dit, oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour un tel homme? Qu'a-t-on fait pour lui? Il n'a, on n'a rien fait pour lui. Ha, Dieu! Amen. Laisse-toi simplement. Autant qu'on voudra, il t'élèvera. Il fera voir ta justice comme le soleil à son lit. Et les gens parlent du mal de toi, qui te critiquent, qui ne répond pas. Amen. Laisse simplement et continue à servir ton Dieu. Amen. Un jour viendra, il agira. Amen. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Laisse simplement, attends dans le silence. Dans la confiance et dans la foi. Glorifiant ces dieux, effectivement. Alors, vous connaissez comment Naaman avait déjà pendu un arbre là, avec la colline, mais là, on va mettre la tête de Mardoché, pensant que ce Mardoché n'avait pas de Dieu, et que lui, il était le Dieu. Mardoché savait, il se confiait. Amen. Quand on le regardait, on disait, il ne faut rien, mais en fait, Dieu était avec lui. Amen. C'est ce que vous êtes quand on vous regarde. Bah, il ne faut, ils valent rien, ils sont comme ça. Non, certainement que. Et l'impression est comme cela. Mais en fait, ce qu'il y a autour de nous, il ne voit pas. Amen. La même pêche qui était faite pour Mardoché, quand le roi a appelé Naaman. C'est pour ça, n'ayez jamais une trop haute opinion de vous-même. La Bible a toujours 100% raison. Amen. Il faut toujours s'humilier. Quand tu t'élèves, la chute n'est pas loin. Amen. Alors quand le roi a appelé Naaman maintenant, il dit Naaman vient, oh là, couru là avec le, ah moi, le roi dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme que Dieu veut vraiment, que le roi veut honorer? Alors, dans sa tête, il s'est dit, s'il y a quelqu'un que le roi veut honorer, c'est bien moi, c'est bien quand même, c'est ça qu'il pense comme ça. Alors, mais qu'est-ce que le roi peut faire pour honorer cet homme-là? Elle dit, mais puisque c'est moi. Ah, oh, roi, viens éternellement. Que cet homme-là monte sous le cheval du roi. Qu'il puisse avoir la cape du roi. Et que c'est lui qui est vraiment à côté du roi puisse maintenant le tenir, le faire marcher dans toutes les lieux publics, effectivement, pour qu'il fasse si l'homme que le roi veut honorer. Voici le roi, et qu'il crie plus fort. Elle s'est dit, ah, moi, on va le faire comme ça. Quand Dieu veut t'élever, il va le faire. Quand il est fait, tout le monde saura que vraiment Dieu est avec. C'est sûr et certain, frère. Vous vous souvenez en fait de l'arabe, la prostituée. Amen. Il dit, nous sommes ici terrorisés. Ce que nous avons entendu. Et vu de votre Dieu, effectivement, comment c'est Dieu qui est le vôtre, effectivement. Ce qu'il a fait là-bas, les Amoriens, tout ça, comment est-ce qu'il, effectivement. Nous savons. C'est pourquoi la crainte s'est emparée de nous. Et quand nous savons, c'est pourquoi nous savons que Dieu vous a donné. Frères et sœurs, Dieu, quand il agit dans un. Non, dans toi, mon frère, dans toi, ma sœur. Même les gens. Vous voyez, les gens vont vous critiquer. Certainement, c'est vrai. Surtout le religieux. Hein. Vous verrez que quand Dieu commence à travailler avec vos sœurs, avec vous, mon frère. C'est pourquoi n'étendez pas l'oreille à ce que les gens parlent de moi. De vous. Ça va vous faire mal au cœur. C'est parce que, comme ça, quand on voit les soeurs danser, sauter, oh, ils dansent comme les montres, ne vous occupez pas. Amen. Oh, maintenant, comment regarder comme ils chantent? Ne vous occupez pas, frère et soeur.
Je voulais dire, je vais te demander, quand Dieu est dans le cœur de quelqu'un, vous trouvez-vous normal? Je suis assis dans la salle. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme un David. Je saute comme un David. Je saute. Tu es absent. Tu chantes bien. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme un David. Je crie comme un David. Je crie. Oh, quand l'Esprit de Dieu. On est connecté, on est déconnecté. Alléluia. C'est comme je veux dire au frère Pascal. Hein, frère Pascal, tu sais, mon frère Pascal, moi je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Quand il vient, tu le sers à ton pas. Amen. Oh mon précieux frère. La même chose, non? Quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie de vous voir. C'est vrai, non? Amen. Vous le prenez dans vos bras, vous sentez que, oh Seigneur, il m'a manqué, ou il m'a manqué, je suis heureux. Je suis... On voit ça, non? Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Hein? Tu m'as manqué, ou? Bon. Regarde, donc, quand même, on se voit, ça va? Vous comprenez? Non, c'est pas que vous comprenez. Non, c'est... Il y a un élan de cœur. Quand on aime Dieu, et c'est un élan. Frère, nous sommes sortis des églises avec des blocs de glace. On est sortis des églises avec des dos. Ici, je vous ai dit, hein, quand nous sommes dans l'adoration, louée, quand on doit chanter Dieu, chanter. Laissez le Saint. Vous l'avez vu, non? Amen. On en avait parlé jeudi, il a confirmé. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle. Amen. Il est ordonné. Amen. Il est vraiment ordonné. Amen. Il va vous saisir, il peut vous faire tourner effectivement dans les veilles. Amen. Donc, Dieu est vraiment Dieu dans sa façon de faire les choses. Amen. C'est le lent de cœur. Donc, vous lui montrez effectivement. Et que. Et là, oh, mais regarde comment. Mais pose la question, toi, comment tu chantes Dieu? Oui. Eh bien, non, on nous a dit. Gloire au Seigneur. Parce que ça veut dire que nous sommes spirituels, remplis de l'esprit. Je ne sais pas, frère. Mais quand j'ai vu les gens qui ont été remplis de l'esprit, pendant les jours de Pentecôte, amen. Et alors, alléluia, et nous sommes. Non, mon frère. La Bible dit qu'ils étaient là comme des gens ivres, en fait. Donc les gens, c'est-à-dire que le Saint-Esprit prend contrôle de la personne. Amen. Les temps de l'adoration, c'est les temps de l'adoration. Amen. Les temps de la preuve, vous l'avez. Donc, est-ce que je vois quelqu'un ici qui saute dans les deux et gloire à Dieu? Non. Tout le monde a le respect. Amen. Il écoute la parole. Mais quand c'est l'adoration, mais adore Dieu. Amen. C'est les temps qu'on t'a donné pour exprimer la joie pour Dieu. Amen. Quand tu étais dans le monde, tu faisais comme ça, non? On ne veut pas te supplier. Non. Mais maintenant, c'est là qu'on voit ce qu'est ton amour. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui te dit, ah, il est comme ça. Quand on met un peu de petite musique à l'immonde là-bas, il faut la voir, comment il bouge. Hein. Il me dit, hey, je suis chrétien. Là. Le rythme est resté en toi. Mais c'est vrai, frère. Moi, ces choses-là sont sorties. Maintenant, Christ entend en moi, je danse, je loue parce qu'il m'a sauvé. Amen. Oui, la glace, on l'a cassée. La honte, pourquoi j'aurais honte de mon Dieu? Insulte-moi, il n'y a pas de problème. Amen. De toute façon, je vaux quoi? Tu diras, il est comme ça, je suis comme ça. Regarde comment il est d'ailleurs, il bouge mal, il n'y a pas de problème, je bouge mal. C'est vrai que je bouge mal, mais je bouge mal pour lui. Amen. Je fais les choses pour lui. Amen. Je ne vais pas dans une école de danse pour apprendre à danser pour mon Dieu. Non! Amen. Non! Mon pas, il est de travers, mais il est quand même bon. Amen. Parce qu'il manifeste l'amour que j'ai pour Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça, mon frère et ma sœur. C'est ça, un homme libre. Amen. C'est ça, une femme libre. En Christ, mais il est libre dans l'ordre aussi. Amen. Donc il loue son Dieu. Il ne s'occupe pas du voisin de la voisine. Mais son âme est attachée à son Dieu. Parce qu'il sait en qui il a cru. Donc, pas ton regard sur le voisin. Comment les voisins vont penser, va dire? Frère et sœur, le jour où tu seras dans le cercueil, le voisin ne sera pas là. Donc, si même tout le monde doit m'abandonner, je sais que quand je suis venu dans ce monde, j'étais seul. Quand je partirai dans ce monde, je serai seul. Mais maintenant, je serai plus seul, je serai avec. Alléluia. Alléluia. Quand tout le monde t'abandonne, lui, je t'ai apporté. Il dit, tu m'as choisi à la vie, à la mort, mais avec toi, c'est à la vie, à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mon frère de ma soeur. Amen.
C'est Jésus. Il est merveilleux. Amen. Il est bon. Amen. Tendre Père, Sauveur, Seigneur. Je voudrais te remercier encore pour la grâce que tu as décidé de nous accorder pour nous tenir encore. Pouvoir te louer, pouvoir t'exalter, Père. Souviens-toi de chacun de nous, Père. Nous sommes heureux d'être à toi. Nous sommes heureux de pouvoir nous voter pour ici. Pouvoir nous voter pour ici. Nous remercions beaucoup de nos frères et de soeurs qui nous avaient fait faire de nous soigner. Par le monde entier, que nous soyons ce frère, que nous soyons la volonté à nous dire, mon Père. Garde la joie de toi, de voir personne béni, quand on s'en est béni. C'est à toi de te faire ton peuple, c'est à toi, chaque frère et chaque soeur, de te faire ton frère. C'est toi, Nous remercions vraiment pour la nouvelle.
cesse d'apporter du pouvoir. Viens toi avec chacun. Ce matin, ce dimanche, 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 ce aussi, fortifié par toi. L'eau encore ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de prier mon roi pour la voix et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Considère sa parole, considère.